Les Vosges sont la destination pour les amateurs de montagne ou bien en famille. Découvrir de beaux villages et faire de belles randonnées dans un environnement boisé. Les Vosges sont un département français, dans le Grand Est. Tire son nom du massif des Vosges, qui occupe une grande partie du territoire. Je vous propose de partir, car l'aventure vosgienne en ma compagnie est celle de mon ami Thomas. Le chef-lieu des Vosges est Épinal, ville plutôt agréable qui sera notre première destination pour débuter notre périple. Avec un beau temps, notre matinée est parfaite pour découvrir la ville principale du département. Épinal offre un cadre sympa et fleuri. On se fait un tour des monuments à voir et des recoins de la ville, notamment la place des Vosges, ses anciennes fortifications ses petites ruelles la tour chinoise sa basilique Saint-Maurice ses ponts traversant la Moselle, le parc du château, etc. Épinal est bien incontournable des Vosges. Cette vidéo a pour but de vous montrer le patrimoine naturel du massif vosgien et des lieux à visiter. Le massif des Vosges se distingue en trois parties. Vosges du Nord, Vosges moyenne et Haute-Vosges que nous allons particulièrement découvrir. Seules les Hautes Vosges cristallines et Moyennes Vosges graisseuses forment la montagne vosgienne à proprement parler. Mais avant de visiter les plus hauts sommets des Vosges et de profiter de magnifiques couchers de soleil, nous continuons notre aventure en direction de Gérardmer en passant par la ville de Roure-Mirmont. Les chutes de la Pissoire, les chutes de Tendon, et pour finir le saut du Bouchot. Arrivé à Gérardmer, nous profitons du coucher de soleil au bord du lac. Pour anecdote, Jean-Antoine Chanoni, privé de l'usage de son bras droit, introduit un concept de barque à pédales, le pédalo vers 1860, pour lui permettre de naviguer sur le lac de Gérardmer. La vallée des lacs est constituée de trois lacs aux alentours de Gérardmer.
Le massif vosgien a connu des glaciations successives, mais c'est pendant la dernière phase que sont nés les trois lacs. Le premier, le lac de Retourne-Mai, est un lac de cirque glaciaire. Le deuxième, le lac de Longe-Mai, occupe un bassin creusé dans l'ancien lit du glacier. Le troisième, le lac donc de Gérardmer, est retenu par une importante moraine bloquant la vallée vers l'aval. Et en ce nouveau matin, le brouillard s'installe sur le lac de Gérardmer. Le lac semble tout à coup silencieux et paisible. Dans la même vallée, je vous propose de découvrir le Saut des Cuves et les magnifiques cascades de Charlemagne. Les balades sont accessibles dans un cadre verdoyant. Au sud de Longe-Mai, et moins connu, voici le lac de l'Ispache. Coup de cœur de mon ami Thomas. La balade autour de la tourbière est séduisante. Malgré l'acidité de l'eau, on y voit des pêcheurs de tous les âges. Plus au nord, longeant la côte vosgienne, nous allons nous balader dans la réserve naturelle de Tannay-Gazon. Réserve naturelle nationale, gérée par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Elle couvre d'anciennes chaumes, des tourbières et des forêts d'hêtres et de sapins. Une faune et une flore variées qui permettent la biodiversité des paysages. À deux pas, ne ratez pas les lacs noirs et blancs pour profiter de votre déjeuner dans un cadre boisé. Le lac blanc est relié par une conduite au lac noir, situé 100 mètres en aval, où une centrale hydroélectrique permet la production d'électricité par turbinage. Aujourd'hui, cette station est malheureusement abandonnée. Long de la côte vosgienne, à la limite du Haut-Rhin en direction du sud, nous passons par le troisième plus haut sommet du massif, le Honnec, avec 1363 mètres d'altitude. Les pentes les plus douces accueillent en été des troupes de vaches vosgiennes. Le massif du Honnec abrite également quelques troupeaux de chamois. En contrebas, on peut apercevoir le lac de Schistrotrud. Les paysages autour de ce sommet sont à couper le souffle. Je vous conseille de profiter du coucher de soleil, mais aussi de rester dormir à la belle étoile.
pour savourer la nébuleuse si l'occasion se présente. Enfin, admirez le lever de soleil pour bien commencer votre nouvelle journée. En direction du ballon des Vosges, nous faisons un détour au lac des Corbeaux, mon coup de cœur. Le nom de ce lac reste flou. L'hypothèse la plus plausible, c'est que le terme corbeau serait une déformation du nom courbé, faisant référence aux courbes du relief très pentu entourant le lac. Le nom lac des Courbés aurait dérivé vers le lac des Corbeaux. Je vous invite notamment à marcher jusqu'à la roche du lac, qui offre une vue plongeante sur la cuvette. Nous arrivons au plus haut sommet du massif vosgien, le Grand Ballon. Le point culminant du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Parc naturel régional français créé en 1889 à l'initiative de trois anciennes régions, l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté. Le parc englobe le sud du massif vosgien et s'organise autour des Hautes-Vosges, la partie la plus élevée du massif comprenant les 14 sommets dépassant 1300 mètres d'altitude. C'est l'un des plus grands et plus peuplés des parcs naturels régionaux français. Le massif des Vosges constitue une faune, une flore remarquable. Avec un peu de patience, vous pourrez peut-être apercevoir un loup gris, un lynx, le grand tétras ou même des castors. La flore de ce parc est diversifiée grâce notamment aux cours d'eau, des hautes chaumes, des tourbières, des forêts collinéennes de chênes et d'hêtres, ou encore des lacs comme le prochain, le lac des Perches. Joli lac d'origine glaciaire, il se situe à 980 mètres d'altitude au sud des Hautes-Vosges. Certaines balades offrent des surprises, notamment quand on se perd en chemin. En direction de la Doue de l'Eau et du Saut de l'Oignon, on se trouve à proximité d'un magnifique pont de pierre et d'un joli ruisseau tout à fait charmant. Pour finir notre aventure, nous finissons par le plateau des 1000 étangs. À la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 12 000 ans, s'est formée une vallée proglaciaire favorisant la formation de tourbières et marécages. Majoritairement recouverte de forêts, cette région des 1000 étangs est reconnue comme une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.
la découverte de la France, les Vosges en sont un incontournable. Une région à visiter absolument.